Match 2, c'est parti. Ici Nanterre qui est condamné à la victoire pour espérer pousser ce quart de finale jusqu'au match décisif, jusqu'au match 3. Allez, Benjamin Sen qui va ressortir sur Justin Bibbins. C'est le départ de Nanterre donc, panier. Et le ballon perdu, récupéré par Joël Ayayi avec Justin Bibbins derrière la ligne à 3 points pour Justin Bibbins qui permet à Nanterre 92 de passer devant. Voilà, s'illustre déjà dans ce mid-range. C'est Quan Lewis. Eh oui, Zachary Rizaché là. Deux volets, 3 ballons. 10 d'évaluation pour Joël Ayayi. Extrêmement complet. Zach Rizaché, catch and shoot à 3 points pour Zachary Rizaché. Très en vue décidément. Benjamin Sen, l'extra pass jusqu'à Justin Bibbins à 3 points. C'est manqué. Le rebond offensif est récupéré. Bibbins peut trouver Daisy Rodriguez derrière l'arc. Superbe pour Daisy Rodriguez. Joël Ayayi face à Zachary Rizaché. Il a aussi envie de se montrer, Joël Ayayi. Il va falloir prendre un tir. 4 secondes, Benjamin Sen. Benjamin Sen, oh, le N1 pour Benjamin Sen avec cette faute d'Hugo Benitez. Tout pour Maxime Courby. Pour la passe là-bas pour Daisy Rodriguez qui a voulu retrouver Ibrahima Falfay. Ça va se terminer par un ballon perdu. Benitez pour Maxime Salah, superbe de la part du Biélorusse. Justin Bibbins. Andres qui est revenu à 3 points. Pino à l'opposé là-bas. Benjamin Sen à 3 points sur Bodur Massa pour Benjamin Sen. Il est saignant ce soir. Benjamin Sen, 8 points pour lui. Maxime Salage qui récupère ce rebond. Toujours plus 5 pour Nanterre. Hugo Benitez dans ses œuvres. Hugo Benitez qui régale Bodur Massa. Hugo Benitez qui a laissé sur place son adversaire direct avant de fixer la défense pour servir ce caviar. Il n'y a pas d'autre mot. Justin Bibbins. Oh, c'est superbe! Justin Bibbins sur une jambe. Faute de Bodur Massa. Plus 6 pour Nanterre. Ibrahima Falfay! À nouveau, un N1. Il y en aura eu un pour Ibrahima Falfay. Un pour Justin Bibbins et un pour Benjamin Sen. Sur le visage de Petit Tout. Le contre de Jaquan Lewis. Et ça va repartir avec Isaiah Mike. Air Canada. Et il va y avoir un temps mort de prix. Ils ont les droits de Juan Bégarin. Est-ce qu'on le verra en NBA un jour? Rien n'est moins sûr. La réponse de Zachary Rizaché cette fois-ci. Ça sera bien à 3 points, j'ai l'impression. Oui. Kevin Kokila, le main à main avec Julien. Axel Julien. Oh, la passe encore pour Zachary Rizaché. La main chaude de Zachary Rizaché. Le festival qui continue. 14 points pour Zachary Rizaché désormais. À l'opposé pour Lucas Dussoulier, pour Benjamin Sen qui va dégainer à 3 points. Non. Oh, le cross sur Jaquan Lewis. Benjamin Sen, c'est manqué. Bégarin, une fois, rebond pour Ibrahima Falfay. Et ça va s'avérer payant, ce hustle. Sans coller, bien de dresser cette fameuse liste finale des 12 joueurs qui défendront fièrement les couleurs de l'équipe de France. Zachary Rizaché à 2 points, le poster du match pour Zachary Rizaché. Et à 3 points, ce tir en fin de possession, c'est dedans pour Justin Bibbins. Voilà, regardez-le, lui qui harangue ce palais des sports, Maurice Thorez. Et c'est la mi-temps ici sur ce dernier gros tir de Justin Bibbins. Ce step back à 3 points du patron. Rizaché avec Kevin Kokila. Regardez comme il se bat. Regardez comme il se bat, Joël Ayayi, pas de faute. Et derrière, Justin Bibbins qui fait sauter Zachary Rizaché. À 3 points, Justin Bibbins. C'est pour donner tout de suite 9 points d'avance.
Et le panier marqué par Bourg-en-Bresse à 3 points pour Isia Mike par Zachary Zaché. 6 points de retard. Mike qui a décidé d'accélérer un petit peu les choses. Julien pour Rizaché. Zachary Rizaché. Waouh! Qu'est-ce qu'il vient d'envoyer encore, Zachary Rizaché. Exceptionnel pour Zachary Rizaché. 14 points en match 1, 21 déjà ce soir et c'est pas fini. La réponse avec la planche de Bastien Pinault. Saison consécutive, Maxime Salache. Maxime Salache. Oh, il est bondissant hein, ce soir. Zachary Rizaché n'était pas loin encore d'avoir ce ballon. Earl Roland qui est rentré pour la première fois dans cette partie. Rizaché! Waouh! La claquette de Zachary Rizaché. Et Nanterre, c'est là qu'on va voir si Nanterre va être capable de répondre. Oh, la belle réponse là déjà de la part de Simeone Kalemba. Désir Rodriguez face à Maxime Salage. Désir Rodriguez qui passe sous le panier. Et ce sera un nouveau N1 dans ce match signé Désir Rodriguez. Oh, il va le jouer Hugo Benitez. Est-ce qu'il va emmener ça jusqu'au bout? Non, on va me donner ça à Isia Mike, le patron. Isia Mike qui va se lever. Et oui, il profite encore une fois de son avantage de taille, le Canadien. Et on va en rester là à l'issue de ce troisième carton. Kevin Coquilla autoritaire sur ce rebond. Et attention, ça peut aller vite. Maxime Courby, on s'est touché heureusement parce que Maxime Courby partait seul vers le panier. Pinault à 3 points. Bastien Pinault qui remet les deux équipes à égalité. Il revient donc aux affaires avec Kevin Coquilla. Kevin Coquilla, bah oui, il faut y aller. Il faut regarder ce cercle pour Kevin Coquilla. Oh, le panier plus la faute. Isia Mike s'est touché. Pas de faute là-dessus. Et ça peut aller très vite. Bastien Pinault, il va s'arrêter à 3 points. Bastien Pinault, mais c'est pas possible! Exceptionnel ce qu'il est en train de faire, le festival du capitaine. Joël Ayayi, Johan Bégarin à 3 points. Johan Bégarin, oh ben dis donc, lui aussi a décidé de prendre de la lumière dans cette rencontre. 9 points pour Johan Bégarin. Axel Julien, qu'est-ce qui va vite, Axel Julien. Possibilité de passer devant pour les Bressans, ça devient irrespirable tout simplement. Axel Julien, Maxime Salage pour Zachary Rizaché dans un fauteuil. Zach Rizaché qui met Bourg-en-Bresse en tête à moins de 3 minutes de la fin de cette partie. On a la réponse dans 2-22 maintenant. Axel Julien en première intention, c'est très court, très très court. Et Justin Bibbins. Oh, Johan Bégarin qui vient de tout faire péter. L'énorme poster de Johan Bégarin. Le pétard à une main. Avec Désir Rodriguez. Joël Ayayi pour Désir Rodriguez. Désir Rodriguez qui va aller attaquer à 2 points. Désir Rodriguez, la douceur, le bonbon signé Désir Rodriguez. Rizaché à 3 points. Zachary Rizaché, c'est manqué, mais le gros rebond de Maxime Salache. Axel Julien, est-ce qu'il a réglé la mire? Non, toujours pas, c'est trop court et ça va aller vite avec Joël Ayayi. Le temps mort pris par Freddy Fautoux. Nanterre qui est en train de signer le gros coup là à 1-16 de la fin de ce match. Et ben ça fera. Ça fera des points supplémentaires, 90-84, Maxime Salache, c'est probablement terminé. Nanterre qui va aller forcer ce match 3 à Equinox, qui aura résisté à un immense Zachary Rizaché. Et donc Pascal Donadieu va officier un match de plus, au moins, au minimum, à la tête de cette équipe. La victoire ici. 90-84 pour Nanterre 92 face à Bourg-en-Bresse. Ils l'ont fait, les hommes de Pascal Donadieu.